Débarqué en France il y a quelques années seulement, le packraft fait office de nouveau venu au sein des sports d'eau vive. Initialement développé aux États-Unis, cet outil se fait aujourd'hui une place de choix, et ce, sur de nombreuses rivières à travers le monde. C'est vraiment des concepts de micro-aventure qui arrivent que maintenant, depuis quelques temps. C'est des concepts qui étaient très contrôlés, protégés par des micro-aventuriers. C'était un peu élitiste. Et ça s'est démocratisé vraiment depuis 20 ans aux États-Unis. Et comme toujours, bon, il faut un petit peu de temps pour que ces pratiques arrivent. Nous, ça fait quand même quelques années qu'on fait ça. Hein. Ça fait 5-6 ans qu'on développe les produits. Et ça fait, voilà, ça fait que depuis un an que le grand public commence à s'associer à ces sports-là. Et là, depuis un an, c'est complètement fou. Composé d'un tissu ultra résistant et d'un seul boudin gonflable dans lequel on peut stocker du matériel, le packraft peut se pratiquer partout, du petit ruisseau au grand fleuve. Un éventail de possibilités qui séduit également de plus en plus de professionnels qui voient en cette activité un potentiel incontestable. Nous, on a 40 ans d'activité là au pays du Mont-Blanc, sur la rivière Larve. Il bon, faut être précurseur, donc toujours trouver des nouvelles idées de glisse sur cette rivière. Là, on a un bateau accessible pour tout le monde, hyper stable, très léger. Et puis ça nous ouvre des espaces énormes sur toutes les rivières. On peut imaginer des expéditions sur la journée, deux jours, des micro-aventures, des expéditions à l'étranger sur une semaine. Deux semaines, trois semaines, tout est envisageable avec ce bateau hyper pratique. Aujourd'hui labellisé centre de test officiel, l'entreprise Session Raft organise donc des sessions d'essai avec comme expérimentateurs des guides diplômés, des professionnels de l'eau vive qui n'ont pas mis longtemps à être eux aussi convaincus par le concept. Au début, c'était vraiment négatif, que visuel, et là, sur le coup, vraiment sur l'eau, c'était vraiment bien. Que ce soit en équipe de deux ou tout seul, c'est vraiment deux trucs différents. C'est bien réactif, même à deux. J'avais un peu peur que ça soit un peu trop mou à la détente, mais c'est bien bien réactif. Donc super, matériel tip top. Ouais, c'est vachement différent d'un kayak. Ça a, on va dire, un petit peu moins de glisse. Par contre, c'est beaucoup plus stable et c'est quand même vachement manœuvrable. Donc on peut quand même bien s'amuser à passer à faire des petits slaloms entre les cailloux, essayer de jouer dans les vagues et puis... Et pourquoi pas se retourner aussi. On dénombre aujourd'hui plus de packraft vendus outre-Atlantique en un an que de stand-up paddle sur la même période. Un succès fulgurant qui pourrait bien impacter toute la filière des sports en eau vive d'ici les prochaines années.